assassinat et tragique du président Jovenel Moïse, qui est une amie de nous. Donc, je dis à nous là et dans le Cap-Haïtien pour nous rendre président un dernier hommage. J'en connais depuis quelques temps, il y a différentes activités que nous jouons, nous, ensemble avec vous, ensemble d'associations paysannes, ensemble d'associations et populaires, pour que nous continuions à réclamer justice pour les peuple haïtien, parce que ce qui passe, ce n'est pas seulement l'assassinat d'un homme ou l'assassinat d'un président. Mais c'est un gifle, force réactionnaire, force rétrograde, un établissement rétrograde, la baille, revendication des haïtiens. Parce que nous connaissons contre qui ça, Jovenel Moïse tape nous, mais nous connaissons qui agenda politique que Jovenel Moïse dépote. Donc, c'est une occasion pour nous voir sympathie, nous, tout le monde dans notre, pour nous voir sympathie, nous, tout le monde dans notre est, tout le monde dans notre ouest. Et le département et le président ont évolué avant le président. Et vous voyez, condoléances nous, tout le peuple haïtien, la famille président, la première dame, Martine Moïse, et toute la famille politique président. Moi-même, moi, je vois avec un pile association, et c'est un pile monde qui pensait que les prématurés pour faire funérailles président dans la mesure où il y a une enquête qui a avancé. Ça ne veut pas dire pour autant si l'enquête l'a fait un an, deux ans pour le propos jamais faire finir avec le président. Mais nous pensons que il y a trop de précipitation dans la volonté pour tourner la page et Jovenel Moïse. Donc c'est la raison pour laquelle, malgré tout respect nous gagnons pour la famille président, pour la veuve président, pour l'autorité gouvernementale, donc nous avons une position citoyenne qui consiste à demander et le report. Pas annulation, mais le report des funérailles du président de la République. Je pense que ça t'a permis que nous puissions bien préparer les funérailles là, par rapport à la dimension et mon Jovenel Moïse, par rapport à l'agenda politique que nous avons porté pour les peuples haïtiens, pour les masses défavorisées. Donc, je pense que c'est ça. Et encore une fois, ça t'a permis tout. Il y a plus d'accélération qui mettait au niveau de l'enquête sur l'assassinat du président. Cependant, nous avons respecté toutes dispositions que la famille président prend. Donc, pour nous participer dans le funérail, au cas où, il va retourner sur décision. Et d'abord, on nous dit son assassinat féroce, c'est assassinat de projet politique, c'est assassinat d'un projet économique, c'est assassinat et porte-étendard mouvement pour l'émancipation masse défavorisée. Parce que pas oublier, moi-même qui était président chambre des députés, nous connaissons un pile désaccord par rapport avec le président. Le président Moïse n'était pas un saint, c'était un homme difficile mais sincère. C'était un homme qui croyait dans ses convictions, c'était un homme qui croyait dans l'émancipation des masses. C'était un monde qui était prêt, faut comme l'État servir le peuple. C'était un monde qui était prêt. Pour gagner une meilleure distribution des richesses nationales. C'était un monsieur incompris. Donc, un peu le monde ne peut pas comprendre Jovenel Moïse. C'est la raison pour laquelle on peut, ouais, politiquement, on prend un peu de frappe. Un peu le monde a attaqué dans le Parlement parce que on peut quitter, on peut jeter Jovenel Moïse, que ce soit dans la mise en accusation qui était faite contre lui, qui a été jugé dans la Chambre des députés. Donc, j'ai pris mon courage comme un seul homme. Avec l'ensemble des députés qui étaient dans le bloc majoritaire et surtout certains députés de l'opposition tout, qui étaient comprendre que l'agenda ça, que l'élite rétrograde était portée dans le Parlement, c'était tentative pour faire un coup d'État institutionnel. Donc nous avons conjuré ça. Donc il y a un pile d'autres dispositions encore, nous avons pris pour ça, pas de finir comme ça. Mais quand même, l'essentiel, ça qui passait à passer maintenant, il y a un après Jovenel Moïse. Donc après Jovenel Moïse, il faut que toute force vive nationale. Pour l'ensemble des secteurs et vitaux de la vie nationale, nous conjuguer efforts nous pour que, un, nous changer la constitution, qui est cher à président, avant nous organiser l'élection. Parce que organiser l'élection dans les mêmes conditions, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Donc ça, c'est un bagage qui est classique.
Donc c'est la raison pour laquelle nous-mêmes nous prêts pour accompagner toute organisation sociale. Et comme nous disons, il y a un peu de travail qui fait, il y a des réunions qui commencent à faire. Et je ne vais pas les faire fuite en avant, mais dans le jour où je suis venu, je vais continuer tant de mots d'ordre par rapport aux efforts de justice que nous-mêmes, avec ensemble notre camarade, nous avons mené pour préparer ici en jouant de justice. Et que ce soit dans le cas de l'assassinat du président ou bien dans des autres massacres qui fait dans le quartier populaire, je dis à gagner un effort de justice que l'ensemble des secteurs de la vie nationale doit accompagner.